Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce 30e épisode de cette série sur Europa Universalis 4 avec Byzance. La dernière fois, nous avions perdu une armée suite à une attaque massive de près de 60 000 hommes d'une armée coalisée de la Toscane, de la Suisse, de la Flandre et de l'Autriche. On l'avait pris cher dans notre face quand même. Mais maintenant, je pense que ça va tourner. Nous avons la Russie avec nous. Et la Russie et moi sommes les deux. On est les deux plus grandes puissances militaires du monde. Donc ça devrait aller assez facilement. En tout cas, on remarque que l'Autriche a quand même fait une petite santé, j'ai l'impression. Elle a pris des territoires qu'avant elle ne possédait plus. Ou alors c'est qu'une impression. On verra bien. Nous avons perçu Cassius Belli conquête contre Russie. Ouais, mais non, en fait. C'est mon vassal, en fait. Je dis ça, je dis rien, mais... On est copains? Ok. Wow. Je n'aime pas trop ce genre de situation. Oh, ils ont gagné. Oh, ils se sont fait laminer par l'armée de Bohême, Thuringe, Lituanie, Pologne. Oh, mais en fait, elle est en guerre contre qui? Ils sont en guerre contre qui, ces bougres? Non, toi, je m'en fous. Ah ouais, en fait, ils ont deux guerres à leur... Ok. Ok. En gros, ils souffrent le martyr, quoi. Ok. Bon, quand est-ce qu'il arrive le dernier, là? La Vidine. On se prépare à leur défoncer la face, là. On va leur montrer ce qu'on vaut, nous. On va leur montrer que le patron, ben, c'est moi. Et l'ordre de Livonie aussi, en guerre contre nous. Ok. Bon, ces messieurs. Viendez, s'il vous plaît. Viendez. Qu'on va défoncer l'armée de Hausbourg dans le coin. Et hop, on y va. Ici, comme ça, l'armée ici, on pourra l'envoyer pour aller défoncer l'armée de Varaz et machin truc. Ce fut un plaisir de vous défoncer. Voilà. Ici, ça continue à se faire dégommer. Ici, c'est pourquoi. Construction améliorée. Ça peut être sympathique, mais moi, je voudrais améliorer mes techs. Et toi, j'ai dit non. Toi, je m'en fous. Ici, punaise, non, mais quand est-ce qu'on en finit? Ah bah tiens, l'armée russe, elle est arrivée. Perte de légitimité, perte de la puissance administrative. Ouais, je perds un peu de légitimité. Ah, le siège de Rome est terminé. Fichtre. Enfin, c'est sûr, s'ils envoient toute leur armée par ici. Hein. Ouais, voilà aussi. Hein. Ok, m'en fous. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous du Hejaz. Je suis tourné vers l'Occident maintenant. C'est l'Occident qui m'intéresse. Ils vont perdre là. Ah, ils ont perdu les Russes. Fichtre. Ce n'est point grave. Ce n'est que partie remise. Il comprend. Regardez, là, il y a une autre armée qui arrive et qui va venir leur casser la tronche. Ah, ici le siège est terminé. Nickel. C'est-à-dire que ce mec va pouvoir aller s'occuper de ses bougres. Le siège de Naples est terminé. Vargue. Ici nous avons gagné. Nickel. Le siège de Vienne est en cours. Le siège ici est terminé. Oh mais je m'en fous, hein. Ils peuvent prendre toute la botte italienne, je suis en train de m'occuper de ça, et après on va venir se rencontrer et on va venir les dégommer. Ça va être assez violent, je pense. Ils vont me dire, oh, problème. Le siège ici est terminé. Bien, hop, on va aller à Lienz. En mode, coucou. Sérieusement... Pensez-vous réellement pouvoir reprendre la ville? Je demande, je ne sais pas. Je peux être bête des fois, mais... Il y a des limites à tout, quand même. Stop. Ça va vite, là. Siège de grâce, le siège de Lucie, ok. Ici, les sièges sont terminés. Donc, toi, tu vas aller à Zurich. Toi, tu vas aller à Tyrol. Et toi, tu vas aller dans le Sud-Tyrol. Nah. Je suis en guerre contre qui? Pour que j'ai une idée un peu plus claire. Je suis en guerre contre eux, hein? Je suis en guerre contre eux. Ok, la Bavière, ouais. Milan, je suis en guerre contre Milan également. Provence,
Ok. Ça va. Maintenant, en plus, on reprend la main dans cette guerre. Suite à la branlée que ce qu'est en train de se prendre l'Autriche chez elle. Ça fait toujours plaisir. Par contre, le truc qui me gêne quelque peu, c'est le fait que ces armées qui arrivent et qui essayent de passer en mode ouh, je ne fais que passer. Genre, ils pensent réellement que ça va marcher. Le siège de Salento est terminé. Je sais, la botte italienne est perdue. Mais ce n'est que partie remise. On est en train de s'occuper de tout le reste. Allez hop, base Bavière. Qu'est-ce que c'est pourquoi pour? Ah bah tiens, on va s'occuper de ça. Voilà. Je sais que c'est une mauvaise idée, mais je sais que la guerre va durer encore un peu longtemps, donc je peux me permettre de faire ça. Que niveau troupes, ils ont quasiment plus rien. Oh. En fait, toute l'armée se trouve ici, quoi. L'armée italienne, l'armée de cette alliance, elle est dans la botte italienne. Le reste, il n'y a plus rien. Ah, plus rien. Disparo. Les pauvres choux. Oh, qu'est-ce que je les plains. Ouais, mais ici, en fait, je m'en fous. Je peux aller faire le siège du Tyrol. Le Tyrol. Coucou, je suis là. Je viens te dégommer ta face. L'ordre de Livonie demande la paix. Qu'est-ce qu'ils y font? Je gagne 10 de prestige. Non. C'est moi qui fais les paix. Donc, l'ordre de Livonie, tu vas me passer ton fric. Sérieusement, 53 pièces d'or. Je me sens quelque peu insulté là quand même. On va donner des petits cadeaux comme ça. Relâcher une nation. Ouais, c'est un peu trop quand même. Voilà. Force et religion, ça demande un peu trop quand même. Non. Bon, on va faire ça, hein. On détruit toutes ces alliances et il renonce à une revendication sur la Russie. Voilà. Très bien. Maintenant, le russe, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Enfin, m'aider. Est-ce que j'ai réellement besoin d'aide? Question. Et maintenant, ce mec est bloqué. Non, c'est ici. Je vais bloquer ces 59 000 hommes dans... Ben, en Sicile. Voilà. Ils ont pas de chance. Déjà qu'ils en plus, ils n'ont pas de flotte. Hein? Les mecs, ils ont envoyé toute leur armée. Presque toute leur armée. C'est comme s'ils avaient envoyé toute leur infanterie sur une île et il leur reste donc plus que la cavalerie et l'artillerie. C'est très 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 con pour eux. C'est con. Ce qui fait que maintenant je peux diviser mes armées très facilement pour aller... siège de Messine, ouais, mais ça sert à rien d'avoir Messine si on est bloqué après. Hein. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de toutes ces régions-là. Et ensuite, je vais pouvoir libérer, partir vers la Toscane. C'est nickel. Tout s'est admirablement bien passé. Le Caire. Sérieusement. Faites chier, les mecs. On peut avoir une idée claire de la situation. Ok. Bon, bah, on va envoyer des hommes en Égypte, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Et peut-être aussi des hommes par là-bas. Que là, ça va chier. Siège de Palerme terminé. Wouah! C'est quoi ce délire? Où est-ce que j'ai perdu? Hein, ici, ils ont envoyé une armée. Oh, les enculés. Enfoiré! Ils ont rassemblé la plus grande armée qu'ils avaient dans le coin pour venir me casser la tronche. Ok. On va peut-être se refaire une santé un petit moment avant. Ah non, mais me dites pas que l'armée va disparaître. Hein. Et si, elle a disparu.
Bande d'enfoirés. Bon, on a gagné Lienz. Linz, pardon. Lienz est là. Donc on va aller leur dire coucou. Agitation. Allez, allez. Trop jet d'agitation pour l'instant. Ramenez-vous et hop, qu'on aille s'occuper de cette armée de 9000 provençaux. En leur disant adieu. Bien, maintenant nous allons marcher avec cette armée sur Florence. L'objectif de cette campagne quand même. C'est pas rien. La bataille de Florence a été gagnée. C'était pas difficile non plus. Qu'est-ce que c'est pourquoi pour? Militaire, allez, on prend. Allez. Ah mec, eh, on prend le militaire. Avec ça là, tech militaire niveau. Niveau combien en fait? Niveau 27. Jean-Pete, je peux voir un petit avis? Eh, je suis dans le vert, yes. 26, 27, 27, ouais, je suis au top là, je suis au top militaire. Nickel! Tiens, l'armée russe est allée s'occuper des mecs qui se trouvaient là-bas. C'est bien. C'est très sympathique de leur part. Mais bientôt, je vais libérer tout ça. Et ce sera parfait. Je suis en guerre contre la Suisse. Ouais, c'est ça, je suis en guerre contre la Suisse. Les Suisses qui ne sont pas neutres. Mais c'est inadmissible, ça. Qu'est-ce qui se passe? Le siège de Lien, c'est terminé. Parfait. C'est-à-dire que je vais pouvoir les libérer. Les villes qui ont été prises par ces enfoirés. Construisons des navires. D'accord. J'aime bien ce genre d'event. Surtout que ce sera intéressant en effet d'agrandir la flotte. Ce sera en effet particulièrement intéressant. Hop, on divise l'armée. Hop. 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 Et voilà. Ça y est. Nous sommes en train de faire les sièges de toute la botte italienne. Ici, nous avons gagné. Donc, nous allons envoyer les renforts à Constance. Ramenez-vous, messieurs. Voilà. Le siège de Vienne est pour bientôt. Et quand nous aurons libéré tout ça, ce sera parfait. Dans le sens où. Ah, ici, j'ai gagné le siège de Nuremberg. Parfait. Alors. Ce que je veux savoir. 5, 3, 2. Ok, donc il me faut que je me fasse une artillerie, 3 cavaleries. Et ouais, quand même. Donc. Allez, une artillerie. 3 cavaleries. Et 7 infanteries. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Voilà. Formez-vous, comme ça, cette armée va pouvoir se refaire sa santé. Je suis en guerre contre qui? Contre ça. Ok. Donc on va envoyer ses troupes ici en Suisse. Afin de leur donner une petite leçon. Fort sympathique. Le Bavière veut la paix. Ben, on va d'abord finir la paix avec ça. Faire le siège de Munich. Révolte à Grane. Oh, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus violent. Franchement, je m'attendais à pire. Trêve terminée, Caire, rien à cirer. Je m'en fous complètement. Ça, c'était la guerre qu'avaient menée mes alliés russes, je crois. Le siège de Ah non, c'est ici, Munich. C'est quoi alors? Landshut. Ok. Munich est tombé. Parfait. Donc je vais envoyer cette armée en Suisse. Voilà. C'est gros salaud. Ici j'ai gagné. Alors que je regarde l'agitation. Donc toi tu peux remonter par là-bas. Bien. Les sièges ici, certains sont en bonne voie. Ça fait plaisir à voir. C'est bleu. Rassemblez-vous en Istrie, s'il vous plaît. On va tous vous rassembler. Après, on ira rejoindre les copains. Là, hop. Révolte au Caire.
et ont gagné le siège de Florence. Waouh, Caire, ça déconne pas. Le Caire, je pense que j'aurais globalement rasé tout le... J'aurais tué tous les hommes du pays. Je pense, hein. Vu que tout, dans la partie, dans l'épisode précédent, je crois me rappeler que j'avais pété la tronche, de manière assez violente d'ailleurs, à ces enfoirés. Y'a pas un général ? Hop. Si on peut avoir un petit général sympathique pour vaincre ces villes rebelles. Voilà. C'est mieux. Alors, on en est où niveau rebelle maintenant? Ah bah, c'est déjà mieux. C'est nickel. Allez hop, toi tu vas là-bas. Parfait. Voilà. Quasiment plus de rebelles. Reste plus que ces petits patriotes, mais bon. Oh là là. Ça va pas être faux folichon. Les 3000 hommes, toi tu vas aller ici, alors, en Lucanie. Afin de renforcer l'armée qui est en train de mener le siège. Le siège de Naples est terminé. Parfait. C'est nickel. Rassemblez-vous. Hop, hop, hop. Nous sommes en train de gagner beaucoup de points. Ici, nous avons une armée qui essaye, à ce qui nous semblerait, de libérer le Tyrol. Comment dire que je ne vais pas laisser faire ça? Et que je vais les démonter. Voilà. J'aime bien détruire les armées qui essayent de vainement de résister. Hop, on va aller à Zurich. Avec cette armée. Alors, la Bavière, qui est définitivement pétée. Nuremberg, ça ne m'intéresse aucunement. Par contre, je vais peut-être te faire relâcher Nuremberg. Et ton fric. Moi, ça va, 203, c'est pas trop mauvais. Et force et religion, c'est trop. Ouais, on va laisser ça. On va laisser ça, hop. On libère Nuremberg. Toi, t'as intérêt à m'aimer. Maintenant, la Bavière est en moins dans cette guerre. Qui est à deux doigts de se faire défoncer? Ouais, ouais, ouais. L'Autriche. L'Autriche, qu'est-ce que je pourrais lui prendre? Moi, j'ai des revendications sur des petits trucs sympathiques. Que je regarde. Ouais, c'est ça. J'ai des revendications sur Carinthie et Carniole. Et Carniole, si j'ai pas la Carinthie, je m'en fous, mais Carniole, je veux. Je veux absolument ces deux territoires. Je peux les avoir, c'est donc nickel. Comme ça, je coupe l'Autriche en deux. Encore. Je les défonce. Je leur défonce la gueule. Ouais. C'est un peu trop demandé, là, quand même. Silésie, s'ils voteront jamais. Annuler les traités. Annuler les traités, annuler les traités. Forcer religion, ouais. Ton fric. Putain, mais il est riche, l'enculé. Putain, il a presque autant d'argent que moi. Eh ben. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Bon. Il s'agit maintenant de s'occuper de ça. Sur expansion, oui. Ouais, ça coûte cher. Coûte cher, gros. Mais l'autre, le Florentin, je tiens à rappeler, je ne vais pas l'annexer. Je vais le vassaliser. Grande différence. Très grande différence. Perdre 10 de ducat, gagner un de prestige. Envoyer vaisseau 3 ponts à Suez. Allez, boum. Putain, je suis riche. On a gagné le siège Barry. Parfait. Un truc que je voulais regarder... construction, le canal de Suez, 20 000 ducats. Mais ce serait le pire. Soutien d'indépendance de Caracunio, machin truc. Lui.
Ouais. Je pense que là, mes hommes, j'ai largement de quoi aider à l'indépendance du Karakönulu. Tiens, maintenant, ici à Suez, j'ai un vaisseau de trois ponts. Oh, c'est beau. Oh, la classe. Qui veut... Maintenant, j'ai un vaisseau de trois ponts en mer Rouge. Si ça, c'est pas classe. Ici, le siège est terminé. Nickel. Boum, boum, boum. Je vais envoyer ces troupes à Rome. Ce qui commence à me saouler, les Russes, à faire le siège, à pas faire le siège. Gnagnagna. C'est particulièrement agaçant. Faut dire ce qui est. Très très chiant. Bien. Tout se passe pas trop mal. Ici, c'est pourquoi. Idée Rolandi, ouais, bof. Bof, bof, bof pour l'instant. J'ai pas mal d'agitation chez moi quand même. Il s'agirait de finir cette paix au plus vite. Enfin, cette guerre au plus vite. Cette paix. Ça veut rien dire. Allez, on va aller prendre Berne. Afin d'en faire le siège total. De cette bigre. Ok, je m'en fous, ça. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Moi, ce que je veux pour l'instant, c'est libérer déjà toute la botte italienne. Siège de Palabre est terminé. Boum, ramenez-vous là-bas. Ah, tiens, ça y est, je suis en guerre contre eux, moi. Ouais, en fait, je comprends pourquoi ces mecs, ils veulent l'indépendance. Le Timuride, on lui a tellement écrasé sa face qu'il a plus rien. Plus rien, le Timuride. Que dalle, que pouic, rien, nada. Le siège ici est terminé. Parfait. Donc, on va pouvoir aller rejoindre les troupes qui se trouvent à Zurich. Le siège ici a été fini. C'est nickel. C'est parfait. Donc, on va aller se mettre en position défensive. Ici, hein, au cas où, on sait jamais, hein. Voilà. Moi, ce que je veux, mon cher ami de la Toscane, c'est te vassaliser. Je suis à combien? Moins 65. Ok. T'inquiète, mec. On va y arriver. On va y arriver, on va te montrer ce que c'est. Alors, la Suisse. La paix. Alors, ton fric. T'as rien, t'es pauvre, tu vois rien. Force et religion, c'est inutile. Réparation de guerre, ouais. En les provinces nationales. Ouais. Bof. Bourgogne, ouais. Milan. Ça te coûte trop cher en plus. Voudra pas. Non, ce qu'on va faire, c'est. On va faire ça. Hein. Tu vas annuler tes traités avec. Les États pontificaux. Ouais. Je compte bien l'attaquer, lui, pour faire grossir Florence. Voilà. Donc. Si je pige pas trop mal. Déjà, ces trois armées, il faut que je les ramène chez moi quelque part. Par exemple, par ici, afin d'aller attaquer qui d'autre? Ok, la Provence. La Provence, et ici, il y a quelques miettes. Milan qui est en train de se faire défoncer. Ok. Ça devrait le faire. Sans problème. Parfait. Hop. Tu vas à Nice, hop. Tu vas à Avignon. Et le dernier, tu vas à Marseille. Dans la cité. Ah non, Aix-en-Provence. Ouais, sérieusement. La bataille de Modène, on les a défoncés. Ah, ça a été violent. Le mec, on est arrivé, on a vu, on a vaincu. Coucou. Les pauvres. On est venu, ils ont rien fait là. Ils ont perdu. Oui, mais je m'en fous, moi je vais l'annexer ce mec. C'est bien sympathique de me dire ça, mais je m'en fous. Conversion réussie, parfait. Si j'ai de l'agitation, je vais me taper une révolte. Ici. Révolte! Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Faudrait que je fasse la paix, moi. Mais je veux aller dans cette guerre jusqu'à
la vassalisation de la Toscane. C'est sa seule chance de survie, ce mec. Sinon, il meurt. Tout simplement. Donc ici, on va détacher ce qu'il faut pour le blocus et on va ramener le reste de la flotte. Ici, bah super, ils ont popé pile à l'endroit où il y avait l'armée, hein, c'était prévisible. Déclin du marché des épices, s'ils veulent. Ils ont emporté le Casus Belli impérialiste contre ces trucs. Aucun intérêt. Pour moi, du moins. Ah bah, ok, la violence. Ça a été très violent, là, sur le coup. Je suis en guerre contre le truc, alors. On va aller en Lombardie, faire le siège de Milan. Toi... Non, c'est nous qui donnons qui imposons nos revendications. Force et religion, c'est un peu trop quand même. Tu vas annuler tes traités avec... Milan. La Hongrie. Mais ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Je sais, je perds des points, mais bon, en même temps, plus cette guerre continue, moins il a d'alliés. Hein. Milan, bah, c'est quasiment fini. L'Augsbourg, est-ce qu'on pourrait faire la paix avec lui? On est à moins 1, l'Augsbourg. L'Augsbourg, là, il a deux doigts de flancher. Flandre. Moins 14. Bon, il a de la chance, le mec, il se trouve très loin dans le nord. Palatina, ok. Hein, vous voyez le truc? Nous on retourne par là-bas et on va envoyer ses armées si possible faire le truc. Ici nous avons gagné le siège. Hop, on retourne. Non, ouais, on va aller, on va être gentil, on va aller s'occuper de l'armée qui se balade chez eux. Ici on a terminé le siège. On va venir ici. Coucou. Oh, on n'a pas réussi à les intercepter. Triste. Très triste. S'il y a des rebelles, ok. Ici, donc le Palatinat. Super, je peux y aller. Et toi, est-ce que je peux aller en Flandre? Non, je peux pas. C'est dommage. Bien dommage. Elle est où l'armée? Ok, en fait, ils ont plus de troupes. L'armée ici maintenant, c'est vrai que c'était une armée avec des Milanais, tout ça. Ils ont plus rien, donc je peux aller libérer les derniers territoires qui se trouvent chez moi. Quoique, est-ce que je peux faire la paix maintenant? Ouais, je pourrais. Je pourrais le vassaliser. C'est le pied. Le pied absolu. Alors, je vais faire la paix avec le Augsbourg en lui demandant son fric. Il était pas trop mal garni, le pauvre. Le bougre. Les épaisseurs infantifico, tu arrêtes ton alliance avec eux. Les traités. Force et religion, c'est dommage. J'aurais bien voulu, mais c'est trop demandé. Ouais, je vais pas être trop méchant. Ouais, voilà. Voilà. Parfait. Boum, Augsbourg n'est plus dans la guerre. Et toi? La Flandre, Milan. Est-ce que la Flandre voudrait la paix? Veulent pas. Palatina? Veulent pas non plus. Bon. On va faire la paix. Allez hop. Parfait. Maintenant, tu es mon vassal, petit bougre. Si j'ai une tille. En tout cas, cette guerre m'aura permis de refaire un petit test pour voir ce que vaut mon armée à l'heure actuelle. Et c'est pas la meilleure armée du monde. En soi, c'est ça, on peut l'affirmer. J'ai connu mieux. Tu veux aller à Salento, on fera le transport de troupes afin de régler ces problèmes d'agitation qui vont être assez imposants dans le coin. Ça va faire mal. Moi qui vous le dis. Ça va faire très mal. Tiens, toi, je vais en faire une province nationale. Il faut.
Il faut ce qu'il faut. On a perdu une revendication sur la Corse. Ah! Déjà? Fichtre. Ça s'est passé rapidement. Je vais améliorer ma tech diplomatique. Boum. Si c'était pas la classe tout ça. La flotte ici s'est rassemblée en une seule, c'est bien. Il est impossible parce qu'il y a des troupes qui ont embarqué. Ah bah ils sont tous obsolètes. Entrez tous dans le port ici et on va améliorer la flotte en grande frégate. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Clairement, ça vaut clairement le coup. Faudrait que je sépare, que j'enlève ce vaisseau léger qui sert à rien dans le coin. C'est... J'ai autant de navires obsolètes ? Ah oui, c'est vrai que mes transports peuvent s'améliorer. Eh ben, on va tous les améliorer. Allez, kaboum. La classe. Par contre, je vais enlever la grande frégate et l'envoyer directement en Crète. Ça va, elle a peut-être 1% de vie, mais comme j'ai des ports partout, c'est pas trop problématique. Sélectionner... Non. Non, merde, comment on fait? Ouais, c'est bien ça. Ok, voilà, boum. 5 frégates. Parfait. Nickel. Donc, maintenant, il va s'agir d'améliorer, de déplacer mes troupes qui se trouvent ici, qui n'ont plus rien à faire ici, de les ramener par, là, par là-bas. Ou alors, tout simplement, d'en ramener ici pour faire après une guerre contre eux. Ça pourrait être sympa. Mais avant toute chose, il va falloir réduire la lassitude de guerre, qui est quand même assez imposante. Parce que là, je vais me taper de ces révoltes, sinon... Ça va faire très très mal. Ma lassitude de guerre est très très élevée. Je vais devoir faire un petit moment de paix. Ça, c'est, ça va être obligé. Je vais pas vraiment avoir le choix sur ce coup-là. En tout cas, je vais arrêter l'épisode maintenant. J'aide le Karakunulu à avoir son indépendance vis-à-vis des Timurides. Je vais régler la prochaine fois mes problèmes d'agitation. Améliorer ma flotte, c'est en cours. Et où est-ce que je pourrais aller, moi? Ben, je pense que quand j'aurai fini de faire... de baisser mon agitation nationale, je pense que je ferai une guerre pour faire grossir mon vassal florentin. Ce sera la classe. Depuis le temps que ce dernier, je le voulais comme vassal. Oh, c'est génialissime. Je vais bien le faire grossir, le mec. C'est moi qui vous le dis. Les états pontificaux, ils vont prendre cher dans leur face. Ils vont Ancône, Sienne, Pise, ça va aller à Florence. Après, Venise, je le ferai grossir. Et je l'annexerai. J'annexerai ensuite la Toscane. Ce sera génial. En tout cas, la future frontière, quand j'aurai annexé la Croatie, ce sera ça. Toc, 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 toc. Toc, 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 ce sera assez classe. Surtout qu'après, je compte également faire une guerre contre la Hongrie. Obligé, obligé. J'aurai vraiment un contrôle absolu sur les Balkans. Déjà que j'en ai une bonne partie. Allez, bon, cet épisode commence à durer un peu trop longtemps. Je suis également en train de gagner des points, ce qui est sympa. Je suis premier en rang militaire, c'est pas surprenant. Par contre, il semblerait que le Portugal m'ait à nouveau doublé. Je le prends assez mal. Bon, allez, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. À plus les gens.